Justin is live and baby is choking on the bottle. The baby is choking on the bottle? You guys should leave this man alone. Don't go and give him depression too. You know you will come. Bienvenue encore si je suis une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jessie News est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Encore à parler dans cette vidéo, ça m'a aussi vraiment plu. Oui, elle n'a pas trop... Bon, elle a parlé comme quelqu'un qui veut vraiment la paix. Voilà, alors, il y a de cela quelques jours, Dr. Justin Den... Il a pris les enfants pour 3 jours. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Justin, je vais toujours et toujours l'introduire ici. C'est l'ex-mari de Cora, qui est une artiste nigériane. Voilà, ils sont dans la coparentalité ensemble. Et de là, Justin a pris l'enfant. Il donnait le lait à l'enfant étant en live. Et les gens ont constaté que le lait que Justin avait fait pour donner à l'enfant, le bas n'était pas mélangé, mais le haut était mélangé. Donc, il paraît qu'il n'avait pas bien secoué pour que ça se mélange bien. Vous connaissez même nous, les mamans, il y a de fois, on fait le lait, il y a toujours les boules dedans, tandis, bon, vous connaissez, nul n'est parfait, comme on dit souvent. Voilà, alors les gens ont commencé à taguer Cora, que maman, tu as donné l'enfant à qui? Voilà l'enfant qui est en train de... L'enfant mange le lait qui n'est même pas bien mélangé. Certaines personnes ont commencé à taguer Cora. Cora vient voir l'enfant en train de s'étouffer. On est en train de donner le lait non mélangé à l'enfant. Tu es où? Pourquoi tu as donné l'enfant d'abord à Dr. Justin Den? Les gens ont commencé à la taguer. Et même dans ce live où elle voulait se détendre, en sachant bien que les enfants sont avec leur papa. Les gens étaient là-bas pour dire, Cora, viens, oh, viens vite, oh, regarde Justin en live, oh, tu aussi en live en même temps. Va juste là-bas lui dire que voilà, le lait n'est pas bien mélangé. Donc, on mettait Cora dans le travail, on lui mettait sur le vélo, maman. Et Cora a dit ceci, s'il vous plaît, hein, Justin connaît s'occuper de l'enfant. Ne faites pas pour que la dépression lui prenne. Ne l'envoyez pas dans la dépression. C'est encore le père de mes enfants, malgré tout. Il est bien vrai que nous ne sommes plus ensemble, mais il peut rester avec les enfants. Certaines personnes disent, mais pourquoi lui donner même les enfants, hein, quoi? Vous connaissez, il y a certaines femmes qui aiment maman, c'est eux qui dirigent Cora, comme je peux dire. Donc, ils veulent seulement que ce qu'ils disent là, c'est ce que Cora doit prendre. Cora, pourquoi tu as d'abord donné l'enfant à son papa, hein, en sachant bien qu'elle est petite, hein, voilà, alors il est en train de donner le lait non mélangé. Et moi-même, je suis allée là-bas, j'ai couru en tant que Miss Congo pour aller aussi vérifier que, ah, c'est que comment et est-ce que c'est vrai? J'arrive aussi là-bas, je trouve que il y a même une vidéo qu'il a fait au supermarché, les enfants étaient là, les enfants dormaient dans la poussette, il y a certains Nigériens, ils l'ont lavé. J'ai vu autant de vidéos où on est en train de lui laver que mais c'est comment? Laisse les enfants dormir avant d'aller au supermarché. C'est quoi de mettre toujours le live, si ce n'est pas que c'est quelque chose que je suis en train de chercher? Bon, les gens l'ont lavé, surtout les communautés nigériennes, la manière qu'on lave Justin, hein, maman. Les gens alors disent à Cora que Cora, est-ce que ce que tu fais là c'est bien? Cora vous a dit, s'il vous plaît, c'est toujours le père de son enfant, que ayez même un peu le respect pour lui. Il doit toujours voir ses enfants, c'est pour ça qu'ils sont allés, où c'est où qu'elle dit là, que non, laissez-lui voir ses enfants, laissez-lui, ne lui mettez pas dans la dépression, que non, c'est toujours le père de l'enfant, il s'occupe bien des enfants. Supplier tes fans de laisser Justin, ne plus l'insulter, laisser lui vivre sa vie. Elle vit déjà sa vie. Elle a avancé. Pourquoi ne pas lui laisser aussi avancer? Que s'il vous plaît, ses fans, laissez Justin tranquille. Et quand j'ai même écouté à ce live, j'ai dit waouh, Cora, elle a bien parlé. Il est bien vu que elle et Justin ne sont plus ensemble, mais c'est le père de l'enfant. Je ne pense pas que Justin doit faire quelque chose de mal à cet enfant, en sachant que oui, ce sont ses enfants. Ce qu'il veut faire aux enfants, là, à qui le fasse, ses enfants. Il a le même droit que Cora a le droit de voir les enfants. Lui-même, il a le même droit. S'il ne mettait pas l'enfant, Cora devait voir l'enfant ou donc. Alors, là, il faut qu'il faut aussi sa part de coparentalité, là, à. Et pour lui-même, c'est mieux. Il y a certains gens, certains pères, même que, même pour donner le lait à leurs enfants, c'est la magie. Ils ne peuvent pas. Mais, ah, surtout en Afrique, maman, tu te places où pour dire à un homme que, ils vont te dire, eh, la tradition dit que, moi, je suis un homme, c'est la femme qui doit donner le lait, c'est la femme qui doit faire ceci. Maman,
Mettez vos pieds en Europe ou bien en Amérique ou bien vous allez laver les amis. Vous allez comprendre que dans la vie c'est là non. Tu fais, je fais, tu fais en Europe. Quand la femme part au travail, le père reste avec les enfants. Quand la femme revient, le père bon, tu vas lire. Maman, Joss est en train de faire son mieux. Maman, même moi, j'ai vu le live, j'ai dit, papa, c'était que le live de quoi, la vitesse de quoi pour faire le live, pourquoi ne même pas t'asseoir tranquille, là, tu mets un autre tiède, tu fais bien, tu secoues bien le lait de l'enfant, pour que le lait ne soit pas boule, là, tu mets d'abord le céréal, tu secoues avant de mettre le lait, pour ceux qui mettent le céréal, maman, Joseph le Congo, ça, S'il vous plaît, likez-moi cette vidéo, partagez-moi cette vidéo. Je suis là pour vous. Vous connaissez, Josie fait tout pour vous. Josie fait tout pour vous plaire. Josie. C'est juste pour vous dire que voilà, pour ceux qui aiment dire, oh, Josie va là-bas, Josie Cora lui a donné l'ordre. Pour ceux qui aiment, si vous connaissez Cora, elle a les bonnes sur les réseaux sociaux, maman. Elle a l'intinda. Ce n'est pas. Donc, elle a l'intinda qu'elle ne paye pas sur les réseaux sociaux. Surtout sur la communauté anglaise, là, maman. Quand Cora dit que pam, vous voyez comment il. Donc, comme les. Je vais dire quoi, maman? Mais c'est bien, hein, c'est bien d'aimer les. C'est bien quand un fan t'aime, là, maman, ça te va droit au cœur. Il y a des fans qui. Ils peuvent bagarrer pour toi. Donc, ils peuvent faire tout. Pour toi. Et moi, j'aime ça, j'apprécie ça. Bon, Cora a donné l'ordre de ne plus insulter Dr. Justin Den, puisqu'il peut aller dans une dépression. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Je vous aime comme toujours. Likez cette page, suivez cette page. Enregistrez-vous dans la grande maison du Congo, ça sur YouTube. Je vous aime comme toujours. Bisous à tous. I'm not doing anything bad by giving her to the father. No. If she has food, if she's eating, you know. I'm not doing anything bad. I think that with child psychology, she needs to see her father. So we're doing the right thing. We're going to do the right thing. We're not going to think about our egos. We're not going to think about our trying to be right. No, we're doing the right thing for our children, okay? It's our children. It takes a village. It's all of us. And we're doing the right thing. Cora, Justin is live and baby is choking on the bottle. The baby is choking on the bottle? You guys should leave this man alone. Don't go and give him depression too. You know you can give somebody depression. Just let the man do what he... Let him... Leave him alone, please. I'm not fighting for him, oh. And I'm just saying, don't go and kill somebody's child. We're gonna leave him, oh. Because I will not say cause of death is social media fans that killed him. We're gonna leave her move. Don't kick somebody when they're already on the ground. You're still kicking them. We're all trying to heal. I beg. It's okay. Let us all move on now. Let's move on with our life. First of all, I'm performing in June. First in the DMV, then in Toronto, in Canada. Let's move on with our lives. Someone said, Justin is live with your babies. He's also his babies, though. He's also his babies. Let's not get it twisted. Love is a beautiful thing. It's done jazzy. Okay, guys. You are coming to tell me because of what? You want me to stop swimming and start crying or what? The baby is choking. The baby is choking. Una de Chris. Una de queso, una de men. You cannot make me shout. This place is full of bougie people.